Jean-Marc Le Guenec Hermann, vous êtes un des nouveaux cavaliers qu'on voit régulièrement sur le circuit SHF en Normandie. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous venez d'où? De quelle région? Alors bonjour, je m'appelle Jean-Marc Le Guenec Hermann, j'ai 21 ans. Je viens de Normandie, de l'Eure, dans le 27, proche de Bernay. Je suis dans les chevaux depuis tout petit grâce à ma tante qui a l'élevage de Champex, Hélène Hermann. Ensuite j'ai fait mes armes chez Jeroen Vergès où j'ai appris beaucoup. Et ensuite, depuis octobre, je suis arrivé chez Reynald Dango au Haras des Biches pour sortir les chevaux de l'élevage. Alors l'élevage Champex de votre tante, c'est un élevage connu ça, dans quel coin? L'élevage Champex est connu effectivement, avec Guarana Champex qui a tourné en 5 étoiles et maintenant Virtue Champex avec Julien et Paillard. Il est situé en Creuse, à côté de Limoges. Alors là, cette année, vous travaillez avec Reynald au Haras des Biches, vous avez beaucoup de chevaux à monter je crois hein. Effectivement, je travaille avec Reynald Dango, Haras des Biches. On a eu beaucoup de chevaux en début de saison, avec beaucoup de 4 ans, des 5 ans, des 6 ans. Maintenant, ça commence à être un peu plus calme, car les 4 ans sont retournés au champ. Et on a vendu des 5 ans et des 6 ans, donc ça commence à être plus calme. Mais effectivement, j'ai eu beaucoup de jeunes chevaux cette année. Alors, cette année, on vous a repéré avec un bon cheval, un Alzan, un 5 ans qui s'appelle comment? Dolan Frito, un très bon cheval que Reynald a acheté avec... la famille de Mylène aux ventes Nash. Ils ont fait un bon achat car c'était un très bon cheval. Il a fait une bonne année de 4 ans et il continue à 5 ans de montrer ses grandes qualités qui sont une très bonne tête, gros moyen avec de la force et beaucoup de respect. Alors c'est un cheval qui a été repéré, ça, vous allez le garder sous votre selle? Alors oui, j'aimerais bien le garder. Malheureusement, il a été beaucoup demandé et beaucoup vu, donc on verra par la suite, mais j'aimerais bien le garder, oui. Alors on est fin juillet, vous allez faire le cire prochainement? Donc oui, il va faire le cire à Saint-Lô, s'il est toujours avec nous. On fera le cire à Saint-Lô, puis la finale de Fontainebleau fin août. Alors comment ça va se préparer ça, la finale de Fontainebleau? Vous allez emmener combien de chevaux à peu près? On va emmener quelques 5 ans. On a notamment Dembo des Biches, le très bon 5 ans de Reynald Dango du Haras des Biches qu'on va emmener. Donc on a 5 ans et 1 ou 2 6 ans à emmener au cire. Vous avez un peu de pression Jean-Marc? Toujours un petit peu, envie de bien faire pour la suite. Alors Reynald vous aide dans la partie technique j'imagine? Ah oui, Reynald m'aide beaucoup, depuis que je suis lui d'ailleurs j'ai appris beaucoup en technique, notamment sur la piste, car avant je sortais moins en piste et maintenant beaucoup plus en piste. Plein de points techniques qu'on aborde, c'est un grand champion, très bon œil. Très bon cavalier. Alors, bonne route pour la suite. Merci Jean-Marc. Merci Eric.